Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de Top Gaming Videos. C'est parti pour une vidéo, un petit tuto sur le téléphone portable. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le nom de sa propre chaîne. Donc là, je suis connecté sur le compte de mon fils. Donc il faut tout d'abord aller sur sa chaîne. Donc voilà. Donc je suis sur l'application YouTube Gaming si jamais. Et voilà, donc là je vais aller sur ma chaîne. Ensuite, vous voyez, lorsque vous êtes sur votre chaîne, ben déjà une petite information, la chaîne de mon fils s'appelait avant Top Gaming Vids et elle va être renommée Moyen Top. Alors voilà, maintenant on est allé sur ma chaîne. Donc je vous montre encore une fois. Si on remet en arrière sur la page principale, vous cliquez sur votre logo en haut à droite et vous cliquez sur ma chaîne. Ensuite, vous avez à côté du nom de la chaîne qui s'appelle Top Gaming Vids, vous avez le bouton paramètres, vous appuyez dessus. Et là, tout simplement, vous pouvez changer la description. Vous voyez ici au mieux et vous avez en haut nom de la chaîne. Alors, vous appuyez sur le bouton paramètres. Vous pouvez changer votre nom 3 fois tous les 90 jours. Et là. Et on peut confirmer. Je ne vais pas le confirmer parce que je dois encore faire un tuto sur le téléphone, sur l'ordinateur. Tout simplement, vous pouvez confirmer et voilà, le nom de votre chaîne sera changé. Donc, très important, 3 fois tous les 90 jours. Donc, 3 fois en 3 mois, maximum. Donc, voilà, comme ça, votre chaîne, elle aura changé le nom. Et, ben, voilà, nouveau logo et nouvelle bannière pour Moyen Top. Dites-nous ce que vous en pensez. Likez, commentez. J'espère que cette vidéo vous aura en tout cas aidé. Cette vidéo, je l'ai surtout faite pour mes abonnés qui essaient, qui sont parfois sur mes lives et ils m'ont dit « Ouais, mais je suis sur le compte d'une autre personne de ma famille, mon papa, ma maman. J'arrive pas à changer le nom. » Et voilà, comme ça leur permet de changer le nom. Enfin, c'est vrai que moi je dois les appeler par le nom que je vois à l'écran, c'est-à-dire dans le chat, et eux ils me disent « Ah, mais tu peux m'appeler comme ça ?» Donc pour moi, c'est très difficile de vous appeler par votre nom, de me rappeler des noms de tout le monde. Donc si vous changez le nom de votre chaîne et vous l'appelez par le nom que vous aimeriez qu'on vous appelle, pour moi c'est plus simple. Donc de cette manière, vous pouvez changer votre nom. Allez, likez, commentez, à très bientôt, ciao ciao.